Ok, petite capsule rapide. Euh, disons que pour ceux qui veulent des précisions au niveau des autos électriques, les avantages ou inconvénients. Ben j'ai décidé de faire ça, peut prendre, prendre deux minutes pour vous l'expliquer, étant donné que moi, ben, un, je suis un technicien automobile. Deux, j'ai constamment présentement des autos à essence et j'ai aussi un auto 100% électrique. Donc je peux vous dire un peu les deux côtés. J'ai des déceptions mais j'ai aussi des bons côtés vraiment. Là euh, au moment où on se parle, on est en plein hiver donc forcément là euh, même aujourd'hui une grosse tempête de neige. Puis euh, c'est le j'ai roulé avec cet été aussi. On parle d'une Mitsubishi Imiev 2014 mais en même temps, ça donne un peu le topo là en conduisant d'autres aussi, je sais un peu comment ça fonctionne, je sais aussi les avantages les inconvénients. Euh, Peut-être d'y aller par une petite euh, statistique. Là. La plupart des gens euh, cherchent à savoir euh, c'est quoi la, la, combien de temps ça prend à rentabiliser. C'est souvent plus cher comme genre de voiture. Euh, c'est drôle parce qu'aujourd'hui j'ai écouté euh, l'indice Maxwing, puis il y avait une statistique que j'ai trouvé intéressante pour le mettre très là, euh, pour l'arrondir, le simplifier. C'est environ. Euh, environ 100 000 km d'aller chercher de la rentabilité, puis après ça commencer à faire de l'argent avec le principe d'économie d'essence. Si l'essence reste à 1,30 le litre, euh, bien entendu, ça serait 85 000 km total pour devenir rentable si c'était à 1,50 le litre. Donc comme vous voyez, c'est vraiment directement lié à, à l'essence, le, le coût de la vie actuelle. Donc on s'attend dans les prochaines années que ça va monter, mais on ne sait jamais à quel rythme. Il y a plusieurs années, quand j'étais plus jeune, on a déjà eu un petit pic pas longtemps à 1,54, ça a redescendu, des années plus les années suivantes, c'était même redescendu à un niveau record très bas à 89 cents. Donc, c'est dur à dire. Là. Euh, ça reste un genre de pari euh, entre le pétrole et votre achat. Euh, rendu là, ça, c'est à vous de choisir, mais ça vous donne à peu près le, 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 le petit côté analytique de la chose. Là. Tout ça a été calculé en fonction du fait qu'il y a une, une subvention en plus. Là. Donc, si ça avait été acheté directement au prix supposément régulier, euh, ça, ça serait vraiment dur de le rentabiliser. Pour ma part, on parle d'une auto que j'ai achetée usagée, euh, dans les points forts, c'est certain, dans l'auto le, le électrique, bon, euh, le zéro émission, donc c'est sûr, c'est écologique, entre guillemets, si on exclut la construction de la voiture, qui est un autre volet, vraiment, d'ailleurs, j'en parlerai pas trop dans la capsule parce que c'est très technique, mais effectivement, il y a un coût environnemental de la batterie, euh, donc, faut rouler des années pour considérer que cette batterie-là est écologique. Euh, pour ce qui est d'avoir roulé en plein été avec cette voiture-là, euh, c'est vraiment génial en termes d'économie d'essence, puis euh, pour la voiture, euh, la traction, l'accélération, la stabilité, tout juste, c'est irréprochable. C'est pas une voiture qu'on peut considérer, bon c'est minimaliste, mais ça, ça fait la job. J'ai des bons commentaires quand je la prête parce qu'elle sert de courtoisie aussi. Euh, le côté qui est négatif vraiment aux voitures électriques le monde en parle mais souvent les gens discutent sur les réseaux ça reste théorique euh, ils vont parler de l'autonomie 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 ben ils ont quand même raison l'autonomie fait partie des bugs euh, le problème c'est que le bug de l'autonomie est flagrant en hiver on parle de réduction de de, de 20% de d'autonomie de quand il fait froid puis 30% 40% je peux vous dire que quelqu'un qui serait le moindrement frileux comme moi, puis qu'il n'a pas d'abri, donc ne euh, protège pas euh, la voiture contre le, le givre sur un pare-brise par exemple, qui a pas d'abri ou de garage, puis euh, qui a besoin vraiment de faire comme d'habitude tout le monde. On parle des dehors, on met le defrost dans vite, on dégivre, on met un peu de chaleur, euh, on gratte dehors et on s'en va. Donc il y a quand même un délai à chaque départ. Moi je pars de petites distances toujours, donc euh, je vais faire beaucoup de déglaçage à chaque matin, mais en même temps, je fais pas des grosses distances. Euh, ça fait comme le taux à essence. Là. Je me retrouve avec vraiment une autonomie de, 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 de diminuer de plus de 50% en faisant mon va-et-vient régulier, comme je vous parle. Donc, le taux électrique, c'est quand même là-dessus, est affecté fortement. Il euh, faut dire que le taux à essence aussi. Donc, dans le résultat, dans le calcul, je veux que vous compreniez. Qu'il ne euh, faut pas oublier que le taux essence, votre nombre de litres au 100 est affecté euh, vraiment par une journée à moins 20 versus 20 degrés en été. Il faut quand même comparer que vous allez perdre aussi en pourcentage. Là où ce que le Bob blesse, c'est que dans le taux électrique, l'autonomie était déjà euh, minimum. En hiver, c'est très, 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 c'est très dur de compenser pour ça. On parle de 2014 dans mon cas, donc forcément, il faut comprendre que d'année en année, ça évolue vite. Donc, euh, ça commence à être de plus en plus intéressant, puis euh, c'est plus comparable. Il ne se vend plus le même style de capacité de batterie que celui que j'ai là. Ça augmente d'année en année. Il euh, n'y a pas juste le Tesla dans les derniers. Il y a beaucoup d'autres modèles qui annoncent en haut 300 km d'autonomie et ça continue à augmenter. C'est sûr que ça va être important parce que c'est là le nerf de la guerre. On a un climat qui ne changera pas vraiment dans les prochaines années au niveau du Québec. Donc, le Québec, on n'a pas les mêmes contraintes qu'ailleurs. C'est clair et net qu'on n'en parlerait pas de la même façon si on était dans, euh, dans, dans les États-Unis, dans le milieu des États-Unis, si on exclut le nord. C'est sûr que ces gens-là n'ont pas les mêmes contraintes pour ce qui est de, de l'auto électrique. Au Québec, c'est vraiment problématique. J'en parle surtout ceux qui n'ont pas d'abri. Avec un abri, ça vient déjà de changer. On peut jouer euh, au zen frileux qui se met mais ça prend quand même de la visibilité. Faut avoir, euh, faut toujours bien déglacer les vitres, faut toujours bien enlever la buée, le givre. C'est pour ça que je parle d'abri. Euh, les, nouveaux, les nouvelles, comme je vous dis, ça va augmenter vraiment vite. C'est un peu là-dessus. Je vous demande peut-être d'être un peu patient avant de descendre ou de dénigrer cette voiture-là plus qu'elle en a besoin. faut jamais oublier que présentement, je fait le calcul, l'automobile à essence, ça fait 135 ans d'évolution technologique. Vous parlez de le, le, le côté électrique, l'auto-électrique. Je pense que le premier prototype réel, physique, et non sur papier, a été fait dans les années 60. Et le... Le projet est resté sur la glace, euh, je dois dire, il n'y a pas eu d'autres essais significatifs pendant quasiment 35 ans. Ensuite, on a eu les auto-hybrides qui sont arrivés, puis électriques, euh, je vous dis, ça n'a pas été, euh, c'est pas quelque chose qui a eu de l'énergie, mais il n'y avait pas de défi, il n'y avait pas de, la, les crises d'essence de 1973 et 1980 n'étaient pas arrivées encore, fait que c'est sûr que c'est un projet qui est resté à plat complètement. Donc, ça donne, ça donne un peu le topo. Donc, les, les autos électriques, il y a du potentiel vraiment. Il y a beaucoup qui se, qui se posent d'énormes questions, même, euh, je pourrais dire, au niveau des experts, Toyota lui-même en est un qui a divergé, qui a changé de trajectoire. Je ne sais pas si vous avez remarqué, euh, Toyota, par exemple, euh, a toujours eu euh, très actif depuis longtemps avec des hybrides. Euh, à, mon sou à ma souvenance, à moins d'erreur, il n'y a pas d'électrique 100 dans le Toyota. Et pourtant, Toyota a décidé de, au lieu de lancer dans l'électrique, a décidé de plonger tête première avec des gros, gros, gros investissements dans l'hydrogène. Il y a plein de raisons à ça. Je ne parle pas d'hydrogène dans cette capsule-là, c'est trop long. Euh, mais ils ont décidé que euh, là-dedans, ils voyaient plus que dans l'électrique, à 100%, là, comme je viens de vous parler. C'est à voir. De toute façon, on est toujours gagnant si euh, les gros d'ingénieurs sont sur des dossiers différents. On ne sait jamais de quelle façon la technologie peut, euh, peut changer de côté. Euh, mais en même temps, aujourd'hui, je voulais vous donner euh, mon, mon opinion là, de, de technicien et client consommateur en même temps au niveau de l'électrique. Bonne journée.